connaissez le One Baby Challenge? Je fais ça avec mes deux doigts alors qu'il n'y en a qu'un. C'est un petit challenge bien connu déjà sur YouTube où il faut avoir un enfant le plus vite possible avec une Sims que l'on a créée, avec le premier type qu'on rencontrera. Et ouais, c'est comme ça ici. Le tout chronométré évidemment et de faire en moins de temps possible. Nous n'avons pas le droit de mettre la vitesse 3. Nous avons le droit de prendre un travail. En tout cas, la vitesse 3, c'est pas de nous. Il faut que ce soit le jeu naturellement qui la mette en route jusqu'au moment de l'accouchement. Je ne l'ai jamais fait et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aujourd'hui de le faire, sachant que je pense que je vais mettre 10 ans, hein, littéralement. On se retrouve donc avec Inaya Palmer, qui a cette envie dingue et surréaliste d'avoir un enfant maintenant. Elle vient d'emménager dans sa petite maison. Ah oui, le cri qui a été retapé par mes soins juste avant pour pouvoir accueillir cet enfant. Nous sommes dimanche, il est 8h01 du matin. Je vais donc me mettre en chasse. J'ai installé quelques petits mâles sympathiques dans le coin. On espère vraiment les croiser. Je vais mettre sur play et en même temps débuter mon petit timer sur mon téléphone et je ne l'arrêterai que quand elle aura accouché. 3, 2, 1, go! Alors, ben, tu vas déjà mettre en vitesse 2 histoire que les mecs venez les petits enfants, venez les enfants, les garçons, les hommes. Oui, il y en a un ici. Oh mon dieu, c'est le plus dégueulasse de tous, c'est le charme. Tu vas te faire tu vas dire bonjour. Eh ben écoute, il est dégueulasse mais c'est pas grave. Hein, on va essayer de le faire marrer, on va essayer de faire tout ça. On s'en fout. Non mec, tu ne pars pas. Tu es dans nos griffes. C'est tant pis, hein. Elle aurait pu niquer avec un autre mec, mais non. C'est celui-là qui est apparu en premier. J'ai vraiment pas envie de savoir à quoi ressemblerait le gosse, hein, je vous le dis tout de suite. Hé hey, hé hey, reviens. Saltimbanque. Oh non. Saltimbanque. Oui. Pourquoi pas. Oh là, il est en colère. Merde. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vas-y, raconte une histoire drôle, là. Vas-y, c'est de l'humour, en fait. Je déconne. Vas-y, vas-y, baise-moi. Bon, je crois que ça sert à rien, là. Ça va pas le faire. Tiens, toi, c'est super. Tu viens. Truc amical. Tu t'en fous, tu parles plus avec lui. Ça sert à rien. C'est mort. Et puis, il est vachement plus mignon. Donc, c'est parfait. Hein. Il est vraiment plus joli. J'espère qu'il est pas adolescent. S'il est jeune adulte, c'est bon. Il est fertile. On peut le choper. Non, mais c'est quoi ces Sims qui s'en vont tous? Là, ça va pas du tout. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Rattrape-le. Rattrape-le, Inaya. Vas-y, on n'a pas le temps, là. Chope-le. Faut qu'il te chope. Faut qu'il te prenne et qu'il te retourne. Je vais pas y arriver. Non. Putain, mais il est chiant, en fait. Comment s'est passée la journée? Oh là là, on est en train de perdre un temps dingue. Allez, mec, arrête de faire ton sport. T'es sérieux? Il y a les voisins qui arrivent. Il y a les voisins qui arrivent. Qui sont les voisins? Est-ce qu'il y a du mal? Oui! Ah, c'est super! Tu vas pouvoir te présenter. Allez, vas-y, laisse-le tomber. Voilà, il y a trois mâles. Vas-y, hein, tu accueilles. Hein. Tu accueilles. Vas-y, Naya, dépêche-toi! Ah, moi, je veux que Jackie soit notre first love et le père de notre futur enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà fait de la merde. T'es sérieuse? Tu dis de la merde. Voilà, hein? Tu vas t'intéresser qu'au mec, bizarrement. Bon, on en a trois potentiels nouveaux. Oh oui, il y a des activités très rigolotes à faire. Dans un lit, par exemple. Voilà la chenille! Voilà la chenille! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis chez nous, là, le moche, là? Ah oui, d'accord. Ah bah écoutez, pourquoi pas après tout. Vas-y, mais raconte-leur des trucs sympas, rigolos, tout ça, fais connaissance un peu, comment s'est passée la journée. Jackie, mon petit Jackie. Comment vas-tu, petit Jackie? Là, elle est à fond. Elle fait connaissance avec plusieurs personnes. Jackie, c'est pas trop ça. Lui, Yann, ça passe. Lui, ça passe très vite. Scott, ça passe. Hein. Vas-y, arrête de parler à la meuf, elle est pas intéressante. Il faut parler au mâle. Tu vois les mâles? C'est ce qui est le plus intéressant. Hein, tout le monde bouffe. Je demande même pas si à la fin, je m'en fous. Parce que là, il y a la phase connaissance et après, il faut quand même la phase drague. Arrête! Mais arrête de faire la vaisselle, on s'en fout, sérieux! Drague-le! Fais quelque chose, meuf! Drague-le! Drague-le, je t'en prie. Faut que ça marche. Ouais, c'est ça, Jacques, casse-toi. Tu peux demander à lui qu'il reste un petit peu? Il faut qu'il reste. Voilà, il reste. Oh là là, ça a l'air d'aller. Si drague. Oh! Oh, ce bug! Ce bug de l'enfer. Ça marche? Oh, ça marche! Yes! Vas-y, prends une pause sexy, là. Oh là là, je sais pas, ça fait combien... Oh là là, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long, ça. J'ai perdu un temps dingue. Allez, allez, il est chaud! Il est chaud, cocotte! Oh oui! Oui!
Ça c'est fait, c'est un gros coup de cœur. Faire bébé. Faire un bébé avec Yann. Le bébou. Rien que ça, je peux vous dire que c'est du sport quand même. Hein. Je t'en prie, sois enceinte. Oui! Enfin! On va également se lancer dans une carrière, puisque il va falloir qu'elle aille au boulot pour que le temps passe plus vite. On va faire affaire, comme tout le monde fait. Après, tu vas dormir. Tu vas dormir de tout ton saoul, je m'en fous de ce que tu veux faire de ta vie. Tu dors! Ah oui, comme il est là, ça va pas en vitesse 3. Va-t'en, s'il te plaît, je t'en prie. Oh, va-t'en, monsieur. Vas-y, demande-lui de partir! Demande-lui de partir! Vas-y, mec, t'as plus rien à faire ici, casse-toi. Ça y est, la vitesse 3 s'est enclenchée toute seule, yes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Elle dort. Travaille dans une heure, ouais. Elle va aller bosser. Elle se lave un petit peu. C'est pas grave si tu pues. Allez, va travailler. C'est ça, t'es contente. Va bien bosser. Et le jeu ne se met pas en vitesse 3. Le jeu ne se met pas en vitesse 3, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment pas de bol. Ma vitesse 3 ne veut pas s'enclencher. Du coup, bah, je perds un temps précieux. Elle est enfin rentrée. Je suis quand même dégoûtée d'avoir... que le jeu m'ait pas mis en vitesse 3 pour cette première journée de travail. C'était horriblement long. Lui, il est là, mais on s'en fout. On va lui dire de partir, parce qu'on a... on s'en fiche. Tu nous as servi une fois maintenant? Oui, ben on t'appellera pour les allocs, hein, c'est tout. Bon, ça lui a remonté un petit peu. Va dormir. Ah, t'aimes pas le cake aux fruits, c'est pas grave. Va au lit, ça passera plus vite. Voilà, la vitesse 3 qui fait plaisir, la vraie vitesse 3. Eh, va pisser. Mange au cake aux fruits et retourne au lit. Eh, on retourne au lit. Tout à l'heure, il y a le boulot. Faudrait pas manquer ça. Cette vitesse 2 qui sert littéralement à rien. C'est vraiment l'impression que j'en ai. En faisant ce challenge. Elle va au boulot pour la deuxième journée. Oui, la vitesse 3. Ça, c'est bon, ça. Et en plus, elle a une promotion, mais c'est incroyable. Troisième trimestre dans quelques minutes. Donc, on saura l'heure à laquelle elle accouche exactement. Bah, c'est bien, ce sera en rentrant du taf. À peu près 18h. 18h. 8, elle devrait accoucher. Aïe. Ah oui, bah, elle est végane, alors du coup, ça va pas du tout. Elle a mangé des saucisses. My bad, j'avais oublié ses traits. Va au lit, ça ira mieux. Ton mal de ventre passera mieux. La vitesse 3 aussi, hein. Jusqu'à temps qu'elle accouche, tu vas dormir. Hein. Tu vas beaucoup dormir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la vitesse 3 s'enlève là? C'est pas possible ça. Mais la vitesse 3, elle dort, s'il vous plaît, le jeu! Ça me rend dingue! Ah, tu vas redormir. Dépêche-toi! C'est très important le sommeil quand on est enceinte, c'est très important. C'est cool, elle va aller bosser après. Super, va bosser. Oh là là, elle revient et elle pourra accoucher. Oui, la vitesse 3! C'est horrible, mon score est absolument affreux. Argent sale, on s'en fout. Ok, viens faire une sieste. Ouais, oula, c'est bien aussi, ouais. De toute façon, il lui reste que quelques minutes, elle va accoucher. Oui. Elle va accoucher, ça y est, fais un bébé, vas-y. Ah, un bébé. Oh, attention. C'est maintenant. Arrêtez. Et 22 minutes. Et 27 secondes, 42. C'est pas un très très bon score du tout pour un One Baby Challenge. J'en ai vu qui faisait du 12, qui faisait du 15 minutes. 22 minutes 27. C'est pas bon. C'est pas bien ça, Shirley. Comment vas-tu appeler ta petite fille? Eh bien, écoute, elle va s'appeler... Leia, allez. Comme dans Star Wars, pourquoi pas. Et voilà! Une petite fille est née. On s'en fiche bien maintenant de son bien-être. J'ai mis 22 minutes 27 pour cette première de... tout simplement, One Baby Challenge. Voilà donc, c'est tout pour cette petite vidéo qui a été quand même compliquée. Hein, j'ai perdu tellement de temps pour la première journée de travail. Mais bon, j'ai mis 22 minutes parce que j'ai galéré à draguer des Sims. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention aux traits de ma Sims. Et vous, si vous avez déjà fait ce challenge, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de temps vous avez fait. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous invite bien sûr à commenter, liker et partager pour me soutenir. Comme d'habitude, je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.